Dans les miracles eucharistiques, la présence réelle de Jésus est-elle toujours là? Alors, les miracles eucharistiques, on peut en distinguer de plusieurs sortes. Parfois, ce sont des miracles extérieurs à l'hostie, ça veut dire que ça ne touche pas la nature même de l'hostie, donc des espèces, du pain et du vin, mais plutôt, je dirais, quelque chose comme une lévitation. L'hostie est toujours là, mais elle entre en lévitation. Et voici un exemple sur un petit film qui s'est passé à Lourdes il y a quelques années. Quelquefois, ça touche, je dirais, la surface de l'hostie. Elle paraît lumineuse, ou alors, sur l'hostie, pour quelqu'un qui est en prière, apparaît comme le visage du Christ. Et enfin, parfois, ça touche aux espèces elles-mêmes du pain et du vin qui sont transformées miraculeusement. Dans le corps du Christ, on a un miracle eucharistique qui a eu lieu à l'époque où le pape François était archevêque en Argentine, où véritablement une hostie a été analysée. Elle était faite de chair découpée dans un cœur humain vivant et battant. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que, véritablement, la présence réelle du Christ est encore là? En fait, on sait très bien que le Christ est réellement présent dans le pain et le vin tant qu'ils ont la forme du pain et du vin. Lorsque le pain se décompose, lorsque le vin est digéré, la présence eucharistique disparaît. Mais ce qui ne disparaît pas normalement dans le cœur de celui qui prie, c'est la présence mystique, réelle. Le Christ vient et on peut lui parler dans son cœur. Donc, pour les deux espèces de premier miracle eucharistique, une lévitation d'hostie ou une apparence lumineuse, on comprend bien que c'est toujours du pain et du vin, donc la présence réelle est là. Mais pour la troisième espèce, la plus spectaculaire, lorsque c'est un morceau de chair qui est là, ou du vrai sang du Christ, est-ce que la présence réelle est là? Eh bien, je répondrai que unanimement les fidèles répondent « bien sûr que oui, s'il y a miracle eucharistique à ce point-là, c'est que donc le Christ est là. » Et ils ont bien raison. En fait, le Christ qui est Dieu n'est pas du tout lié aux règles que nous, théologiens, nous mettons sur l'Eucharistie. Ça veut dire que certes, il apparaît quand le pain et le vin sont là, il est réellement présent. Mais il peut apparaître dans n'importe quelle autre espèce s'il le veut. Si par exemple l'hostie devient un morceau de chair, de sa vraie chair, eh bien évidemment le Christ ressuscité, qui est uni par son âme à son corps ressuscité, est présent réellement dans cette hostie aussi, qui ne va pas être consommée évidemment, mais qui va être exposée à la ferveur des fidèles, parce que, je dirais, ils ont parfois besoin de signes comme cela pour croire que le miracle invisible de la consécration se passe réellement.